Bon dia, bonjour à tous, salut à toi, jeune et moins jeune Cato. Ici la team JMJ Alsace, en direct du Portugal. Nous sommes arrivés hier au Portugal, après 36 longueurs de bus. Stork a survécu, et j'espère que vous aussi. Nous sommes, après avoir été royalement accueillis par les familles, qui sont tous ultra sympas, avec des danses, des chants, comme vous avez pu voir sur les précédentes stories, nous sommes tous opérationnels ce matin pour vivre notre première messe en compagnie des jeunes volontaires du Portugal, un groupe présent d'Espagne pour vivre un moment de prière en communion avec vous tous. Nous revoilà en compagnie de François, dans un merveilleux cadre bien décoré avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, plusieurs petits ballons et des petits mots qui sont sur les autres poteaux. Après la messe, nous avons donc participé à plusieurs activités plutôt sportives. François, aurais-tu un retour à nous faire sur cette matinée ? C'était une matinée, comme tu le dis, c'était sportif, convivial et j'ai trouvé ça très, très bon enfant. Et puis malgré trois nationalités différentes, et chacun a participé sans se poser de questions, s'est amusé tous ensemble. Donc c'était très chouette, très convivial, super. Nous voici maintenant au sanctuaire des Santos Amdareosa, qui est un sanctuaire qui a été construit au milieu du XVIIIe siècle pour prier les âmes du purgatoire, qui est aujourd'hui encore un lieu très fréquenté. Et ils ont pour tradition, au moment de Pâques, de construire un grand portique que vous voyez derrière moi, qu'ils le décorent de plein de fleurs, et ensuite ils le laissent sécher et le ressortent uniquement pour les grandes occasions. Donc c'est très touchant et c'est très généreux de leur part de les avoir mis pour nous accueillir, nous, les JMJ, aujourd'hui. Et dans quelques minutes, nous assisterons à une soirée musicale avec des danses et des chants traditionnels avec le diocèse de Cordoue et les merveilleux volontaires d'Aguara de Cima. Nous, on vous montre ça tout de suite.